Eh bien bonjour à tous, c'est Didilo, j'espère que vous allez tous bien, pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel où je vais vous montrer comment désactiver le PVP sur Minecraft. Ça fonctionne dans absolument toutes les versions du jeu, donc ça c'est vraiment un point positif. C'est la suite un petit peu du premier épisode où, dans lequel je vous avais montré déjà une première méthode pour désactiver le PVP. C'est la méthode que je vous conseille si jamais vous voulez par exemple désactiver le PVP sur votre hub, sur le hub de votre serveur par exemple. C'est vrai que ce sera une méthode plus appropriée que celle que je vais vous apprendre aujourd'hui. Cependant, celle que je vais vous apprendre aujourd'hui a certains avantages que la méthode numéro 1, que je vous mettrai évidemment en fiche en haut à droite de la vidéo, ne possède pas. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer absolument cette deuxième méthode qui vous permet de désactiver le PVP entre les joueurs. Alors, tout simplement, en quoi ça va consister? Ça va tout simplement consister en mettant des joueurs dans une équipe et désactiver le Friendly Fire dans cette même équipe. Voilà, c'est une technique très 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 simple et qui du coup diffère de la première. Donc pour ça, vous allez créer une équipe. Donc par exemple, on va l'appeler donc Scoreboard Teams Add. On va l'appeler par exemple équipe 1. Voilà, on va par exemple appeler l'équipe 1. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement D'abord on va s'occuper justement de désactiver le Friendly Fire dans l'équipe. Donc pour ça, Scoreboard, Teams, ensuite Options. Ensuite vous mettez le nom de l'équipe, donc par exemple équipe 1. Et vous allez pouvoir mettre du coup, c'est, il me semble c'est Friendly Fire, voilà c'est ça, c'est Friendly Fire. Et là vous mettez True si jamais vous voulez que les joueurs puissent, si je mets rien, en fait ça nous dit que on peut mettre soit True soit False. Donc True ça va permettre aux joueurs de, si je dis pas de conneries, le True ça va permettre aux joueurs justement de pouvoir se taper. Et si on met False, et ben justement les joueurs ne pourront plus se taper. Donc si on veut que les joueurs ne puissent plus se taper entre eux dans l'équipe, on va pouvoir mettre False. Et là on a juste à faire rejoindre les joueurs dans l'équipe. Par exemple, si je veux rejoindre l'équipe, on va faire Scoreboard Teams Join. D'ailleurs, je vais vous apprendre un petit truc. Si jamais, vous mettez rien derrière, donc par exemple, on demande juste à rejoindre l'équipe, ça va le faire sur vous. Donc par exemple, si je mets juste cette commande-là, ça va marcher parce que c'est moi qui tape la commande. Si vous le mettez dans un command block, ça ne va pas fonctionner. Donc là, hop, ça va fonctionner. Et vous voyez que normalement, si vous voulez mettre par exemple le nom d'un joueur derrière, si jamais vous voulez faire rejoindre un joueur spécifique à cette équipe, vous êtes obligé évidemment de mettre son pseudo derrière. Donc évidemment, pour vous-même, vous le mettez ou vous le mettez pas, c'est vraiment facultatif. Dans les deux cas, ça fonctionnera. Là, malheureusement j'ai pas un joueur avec qui vous montrer, mais faites-moi confiance, ça fonctionne. Donc tout ce qu'il faudra faire, c'est par exemple si le joueur s'appelle test. Donc hop, on va faire join. Donc là on va mettre bien le nom de l'équipe. Vous mettez d'abord le nom de l'équipe, ensuite vous mettez le nom du joueur. Donc par exemple on va plutôt l'appeler pseudo, le gars. Donc le gars il s'appelle pseudo. Et voilà, hop, et là donc pseudo. Et ça m'a bien mis le joueur. Donc même s'il n'existe pas, enfin en fait je pense que si ça marche dans le chat, en fait c'est parce que ce joueur existe. Il doit sans doute y avoir un joueur Minecraft qui s'appelle pseudo, c'est même sûr. Et donc c'est pour ça que dans le chat ça me met que le joueur pseudo a été ajouté à la team équipe 1. En fait ça permet que même si aucun joueur au monde encore ne s'est connecté sur ma map solo là actuellement, s'appelant pseudo, eh bien ça permet que si jamais un joueur qui s'appelle le pseudo rejoint le serveur, eh bien il sera directement dans l'équipe 1. Voilà, en fait ça permet d'anticiper, on n'a pas besoin qu'il soit connecté pour pouvoir le mettre dans l'équipe 1. Donc ça c'est vraiment quelque chose aussi qui est pas mal. Voilà, donc si jamais il y a pseudo qui se connecte sur le serveur et qu'il essaye de me taper et que moi j'essaie de le taper, les deux on pourra pas se taper, le PVP sera désactivé. Attention, si jamais je suis dans l'équipe 1, par exemple si moi dans l'équipe 1, le PVP est désactivé, donc le Friendly Fire est désactivé, donc je vous rappelle hein, grâce à cette commande là, et qu'il n'y a jamais une équipe 2, donc pour ça on va créer une équipe 2. Hop, voilà, équipe 2, on va la créer. Et ensuite, hop, on fait en sorte que le Friendly Fire soit désactivé dans l'équipe 2. Voilà, et maintenant, moi je suis dans l'équipe 1 et pseudo est dans l'équipe 2. Eh bien, on pourra se taper, parce qu'on n'est pas dans la même équipe. Et donc, en fait, on s'en fout que même si nos deux équipes ont le Friendly Fire désactivé, bah on n'est pas dans la même équipe, donc on pourra quand même se taper. Donc conclure, on va dire, pour que cette méthode marche, il faut absolument que les joueurs soient dans la même équipe. Et évidemment, vous oubliez bien de désactiver le Friendly Fire. Voilà, j'espère quand même vous avoir appris quelque chose. Si jamais vous voulez vraiment une méthode qui marche à tous les coups pour désactiver le PVP, je vous invite à regarder la première méthode qui sera évidemment en fiche et en description. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait plaisir, à vous abonner, et je vous rappelle
rappelle que ce soir ouvre pour de bon, c'est-à-dire à tout le monde et non plus seulement aux VIP. Pour tout le monde, le serveur ouvre en live, donc je serai en live ce soir à 19h sur Twitch et YouTube. Voilà, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de geeker sans pourtant trop geeker. Tchuss, c'était Didileo.